Salut à tous, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours en direct de la Thaïlande. Et ici, je suis un petit peu dans ma résidence où je suis en Thaïlande, regardez derrière moi, c'est plutôt sympa. Là-bas, on a une espèce de petit temple, c'est plutôt cool. Et là-bas, regardez, je vais vous montrer un petit peu. Ça fait un petit peu genre résidence étudiant, je paye vraiment pas très cher ici. Bref, dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous dire mes 5 taux de conversion les plus importants, et je vais également vous donner un conseil pour chaque taux de conversion que vous pouvez avoir sur votre blog. Alors, il faut savoir que chacun de ces taux de conversion est vraiment important, parce que moi, c'est le cœur de mon business, la conversion. À chaque fois que je crée une vidéo, à chaque fois que je crée un contenu, à chaque fois que je crée un produit, à chaque fois que je tente de récupérer les emails, tout ça, c'est des taux de conversion que j'essaye tout le temps d'améliorer. Et je voudrais un petit peu vous en parler parce que je trouve que c'est vraiment important. Comme ça, ça va vous permettre un petit peu de vous situer par rapport à vos propres taux de conversion. Alors, on va commencer avec les taux de conversion des pages de capture. Alors, qu'est-ce que c'est les pages de capture? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, concrètement, c'est comme des landing pages. Des landing pages, en gros, c'est juste une page où vous avez une accroche et juste en dessous, un bouton pour donner votre email. Alors, les pages de capture, à quoi ça sert? Tout simplement, ça sert à capturer les adresses mail, les coordonnées. Par exemple, vous avez déjà vu certains blogueurs qui demandent juste le prénom et le nom. Moi, j'ai mis en place un système qui me permet de récupérer juste l'email. Alors, je sais, c'est pas hyper personnalisé, mais malheureusement, heureusement, ce qui est intéressant, c'est que ça capture plus d'emails que si on demandait juste le prénom. Et puis, comme je voulais faire un petit peu aussi différent de tout le monde, je me suis dit, on va mettre à la poubelle le prénom, tant pis, on va que récupérer l'email. Donc, moi, ce que je fais, c'est que sur ma page de capture, j'ai juste une page où j'ai une photo de moi et j'ai un petit bouton. Et si les personnes cliquent sur le bouton, eh bien, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre en demandant sur quel email est-ce qu'ils veulent recevoir les vidéos. Et ça, c'est un système qui fonctionne. Donc, pour moi, je vais vous redonner le pourcentage, 40%. Il y a 40% pile des personnes qui viennent sur cette page qui me donnent leur email. Donc, ça veut dire que si 100 personnes sont envoyées sur cette page, vous l'avez compris, j'ai récupéré 40 emails. Voilà. Il faut savoir que j'ai déjà vu des pages de capture monter jusqu'à 60% de taux de capture. Là, c'est vraiment des pages exceptionnelles. Par contre, il faut savoir que vous pouvez facilement atteindre les 40% de pages de capture, de taux de capture d'email sur votre page de capture. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir une page de capture qui est optimisée? Premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est faites vraiment très très simple et ayez une accroche qui est directe et avec des chiffres. Par exemple, dernièrement, hier, j'ai vu une vidéo, c'était les 13 erreurs, je ne sais plus pour faire quoi, pour quitter la rat race de... Comment il s'appelle? Le gars de Business Attitude, je crois que c'est Frédéric Anissette, un truc comme ça. Enfin bref, lui sur sa page de capture, c'est cliquer ici pour découvrir les 13 erreurs. Voilà, il n'y a pas de charabia, il n'y a pas de truc à rallonge et il demande directement l'email. Moi, je fais la même chose. Je dis pour récupérer le contenu privé, pour recevoir par exemple vos 4 vidéos ou pour recevoir une heure de formation, eh bien, inscrivez votre email. Et ça, ça fonctionne relativement bien quand vous utilisez des chiffres. Maintenant, on va parler de taux de capture sur le site directement. Alors, qu'est-ce que c'est que le taux de capture sur le site directement? Eh bien, ça va par exemple être le nombre de personnes qui vous découvrent par le biais de Google, donc qui vient sur votre site et qui vous laisse votre email. Alors, par exemple, admettons qu'un visiteur vous découvre par le biais d'un de vos résultats dans les moteurs de recherche. Admettons que vous avez écrit un article. Quelqu'un tape une recherche sur Google qui est associée à cet article. Il tombe sur votre article et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va arriver sur votre article et il va vous laisser votre email parce que vous avez laissé des formulaires de capture sur votre blog. Et combien de pourcentage vous pouvez espérer récupérer de personnes combien de pourcentage d'emails vous allez pouvoir récupérer avec les personnes qui viennent sur votre blog par le biais des moteurs de recherche? Eh bien, j'ai fait un petit peu une étude, je me suis renseigné auprès de deux de mes clients qui sont déjà bien lancés et ils récupèrent en moyenne entre 1 à 8%. Alors, il faut savoir que si vous avez donc 1 à 8% de récupération d'email, il faut savoir que c'est correct. Par contre, vous pouvez largement l'optimiser.
Après, il faut savoir que c'est pas forcément agréable pour la navigation, pour les utilisateurs. Mais voilà, vous, ça vous permet de récupérer des emails. Moi, il faut savoir que sur bloginfluent.fr, je veux quand même qu'il y ait une facilité de navigation dans le site web. Donc, j'ai pas énormément boosté mes captures d'emails. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai pas envie que ça devienne invivable et que tout le monde soit embêté par donnez-moi votre email, donnez-moi votre email, donnez-moi votre email. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai optimisé à fond mon premier blog qui s'appelle aidebtsmrc.com. Et là, si vous jetez un coup d'œil dessus, vous allez voir que là, je suis à un taux de capture. Enfin, vous n'allez pas le voir, mais vous allez voir qu'il y a des formulaires de capture partout. Et c'est pas pour rien parce que je suis à un taux de capture de 15% en période normale et 13% en période faible, donc c'est-à-dire pendant les vacances scolaires. Donc, il faut savoir que ce résultat, 15% de personnes qui me donnent leur email, je l'ai pas obtenu en claquant des doigts. Je l'ai obtenu en mettant des formulaires à des endroits stratégiques de votre blog. Alors, je vais vous donner deux endroits stratégiques, les plus stratégiques selon moi, dans cette vidéo. Je me suis dit que j'allais vous le donner parce que tout simplement, c'est une information qui peut vraiment vous être énormément utile. Donc, le premier endroit qui capture le plus d'emails sur votre blog, ça va être en haut de chacun de vos articles. Ok, ça va être en haut de chacun de vos articles. Moi, j'ai fait plein de tests. J'ai fait un test très très long terme sur à peu près 200 ou 300 000 personnes. En fait, c'était le résultat d'une année. L'année 2015, en fait, c'était un test AB sur le taux de capture de mes blogs. Et en fait, j'ai remarqué que l'endroit où est-ce que je capturais le plus d'emails, à chaque fois, c'était en haut des articles. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi un second endroit qui est stratégique sur votre blog, ça va être la page d'accueil. Alors, pourquoi la page d'accueil ? Eh bien, tout simplement, si vous regardez un petit peu vos statistiques sur Google Analytics ou directement sur les stats de WordPress, vous allez voir quelles sont vos pages qui sont les plus visitées. Et je vous invite à faire le test tout de suite et dites-moi quelle est la page la plus visitée de votre blog. Et bien, vous allez voir que ça va être la page d'accueil. Donc, il sera intéressant de mettre une page de capture, enfin, il sera intéressant de mettre un formulaire de capture sur votre page d'accueil. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire ça ? Tout simplement, moi, ce que je fais à chaque fois sur tous mes blogs, c'est que sur ma page d'accueil, j'ai la possibilité de récupérer les emails. Alors, sur mon blog où j'ai des étudiants, j'ai mis tout en bas un formulaire de capture, ok, qui est assez grand. Et ensuite, sur mon blog bloginfluent.fr, je demande l'adresse email quasiment sur chacune des pages statiques que j'ai. C'est-à-dire parce que moi, sur mon blog où j'ai, sur mon blog bloginfluent.fr, vous l'avez déjà vu, j'ai différentes catégories. Et à chaque fois, dès qu'on tombe sur une page, je demande l'adresse email, tout simplement. Donc, il faut savoir que sur la page d'accueil, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important parce que ça va être la page où vous allez avoir le plus de personnes qui va venir sur votre site. Donc, pourquoi pas transformer cette page normale en page de capture qui va vous permettre de récupérer des emails et donc de faire des ventes et donc de gagner de l'argent sur Internet. Maintenant, on va parler... pour la première fois, je crois que dans le domaine du web marketing français, je vais vous donner une statistique qui est vraiment très intéressante et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vais faire ce que je vais faire juste après. Il faut savoir que sur ma chaîne YouTube, je vous ai déjà dit que j'attirais beaucoup de personnes, j'attirais beaucoup d'emails. J'ai beaucoup de personnes qui me donnent leur email par le biais de YouTube. La plupart de mes clients et ceux qui me rapportent le plus sont les clients qui me trouvent par le biais de YouTube. Et je vais vous donner aujourd'hui une statistique qui se dégage enfin parce que ça fait maintenant à peu près 8-9 mois que je fais des vidéos sur YouTube et je voudrais vous donner une statistique qui est vraiment, vraiment très importante et qui va, à mon avis, vous pousser à créer une chaîne YouTube. Devinez combien de pourcentage de personnes qui regardent mes vidéos cliquent ensuite sur le lien que je leur indique. Par exemple, quand je fais une vidéo, à la fin de la vidéo, je dis voilà, cliquez sur le lien juste en dessous pour faire ci ou pour faire ça. Devinez combien de personnes qui regardent la vidéo cliquent sur ce lien. Eh bien, la moyenne qui se dégage, elle est énorme. Elle est de 32%. 32% des personnes qui regardent mes vidéos, eh bien, il y a 32% des personnes qui vont cliquer sur le lien quand je vais leur demander. Donc, c'est vraiment, vraiment super important et je trouve ça vraiment énorme. Un avion qui passe, je sais pas si vous l'entendez, c'est énorme. Il fait un
de Tsebukan. Oh là là, à Chiang Mai, il y a un aéroport, ça fait un bruit de fou furieux. Bref, ouais, je reviens sur cette statistique. 32%, 32% les amis. Ça veut dire qu'il y a 32% des personnes qui regardent mes vidéos qui cliquent sur le lien que je leur indique. Ça veut dire que je peux renvoyer directement les gens sur une page de vente, je peux renvoyer directement les gens. Dernièrement, je l'ai fait sur un guide où j'apprenais aux personnes comment améliorer leur référencement sur WordPress. Enfin, je veux dire, c'est vraiment énorme. 32%. 32%. Je crois que c'est vraiment un record. Je connais pas trop les pourcentages des autres blogueurs parce que j'en ai, en toute honnêteté, j'en ai jamais entendu parler. Moi, je vous en parle parce que je trouve ça intéressant et je pense que ça peut vous amener à créer une chaîne YouTube. Donc, 32%. Retenez bien ça. Donc, maintenant, on va voir le taux de vente sur mes pages de vente. Alors, les pages de vente, qu'est-ce que c'est ? Les pages de vente, c'est simplement des pages de présentation où est-ce que je vais présenter un produit et où est-ce que je vais dire, bah voilà, cliquez sur le lien qui est juste en dessous pour acheter ma formation, etc., etc. Donc, une page de vente, c'est simplement une page où vous allez présenter un produit, vous allez présenter une formation et vous allez dire aux gens, bah voilà, cliquez sur le lien juste en dessous pour commencer le programme, etc., etc. Enfin bref, vous pouvez utiliser plein de phrases différentes. Eh bien, combien est-ce que de pourcentage vous pouvez espérer, combien est-ce que de pourcentage de personnes à qui vous allez pouvoir vendre vos produits ? Eh bien, moi j'ai remarqué qu'il y avait une statistique qui se dégageait mais qui va vraiment fluctuer en fonction du prix du produit et en fonction de la durée de la vidéo de présentation. Alors, moi j'ai remarqué que sur mes pages de vente, je suis entre 2 à 5%. Sur des pages de vente entre guillemets normales. J'ai deux pages de vente sur mon blog où j'ai des étudiants où je suis à 13 et 15%. Mais là, c'est un peu de la triche puisque c'est des pages de présentation d'un produit que j'ai déjà présenté. Okay, en gros, j'ai atteint 15% de vente sur une de mes pages où j'aide des étudiants. Et en fait, cette page, ce que j'ai fait, c'est que bah, en fait, la veille, j'envoie un email où je présente le produit au format texte. Par exemple, le jour 1, j'envoie un produit, j'envoie une présentation de produit au format texte. Et le jour 2, j'envoie en fait une vidéo où je dis, bah voilà, en fin de compte, je vous donne une partie de ce que je vous ai essayé de vous vendre hier, en gros. Et donc, les personnes regardent la vidéo et ensuite, elles sont convaincues et elles achètent le produit. Donc ça, j'arrive à atteindre un taux moyen de 14 à 15% de taux de conversion sur ce type de page de vente. Mais sinon, globalement, quand je présente un produit sur une page de vente, je suis entre 2 à 5%. Et il faut savoir que j'amène en moyenne 300 à 400 personnes en une journée sur une page de vente. Donc, je fais généralement, je dirais, 5, 10, 15, entre ouais, 10 et 15 ventes souvent, à peu près. Entre 10 et 15 ventes, dès que je lance un produit, j'envoie un mail, je fais entre 10 et 15 ventes. Et sachant que je vends des produits maintenant qui sont aux alentours au minimum, en grand minimum à 200 €, voilà, je vous laisse calculer un petit peu combien ça me fait de chiffre d'affaires juste pour un lancement de produit. Donc voilà, c'est quand même relativement intéressant d'avoir un taux de conversion qui est entre 2 et 5%. Maintenant, je vais vous parler du taux de vente sur des pages sandwich. Alors, qu'est-ce que c'est des pages sandwich ? Donc, vous avez une page de présentation où vous présentez votre produit. Par exemple, une page où vous allez dire, ah voilà, je vais vous présenter aujourd'hui mon produit, nanana, on va voir comment le vendre. Enfin, voilà, vous allez voir comment, par exemple, perdre du poids, etc. Et cliquez sur le lien juste en dessous pour accéder à la formation. Donc, les gens veulent acheter le produit. Donc, ils cliquent sur le bouton, mais ils ne sont pas redirigés directement vers une page de paiement. Ils sont redirigés vers ce qu'on appelle une page sandwich. C'est une page qui va encercler, en fait, c'est une page qui va venir se glisser dans le sandwich, entre guillemets. C'est une page qui va venir entre la page de présentation de vente et entre la page de paiement, par exemple sur PayPal. Donc, admettons que vous avez une page, vous dites, bah voilà, je vais cliquer sur le lien juste en dessous pour accéder, par exemple, à un programme pour perdre du poids. Les personnes vont cliquer et les personnes ensuite vont être dirigées vers une page sandwich où vous allez leur dire, par exemple, ceci. Bah écoutez, vous avez décidé de participer au programme, par exemple, pour perdre du poids. Bah moi, ce que je vous propose, c'est une réduction du coup sur un programme pour prendre du muscle. Comme ça, c'est complémentaire. Et puis, au lieu de vous le vendre 97 €, eh bien, je vous le fais à 47 € puisque vous avez choisi de participer au programme également pour perdre du poids. Donc, si vous voulez choisir en plus, si vous voulez rajouter en plus ce programme à votre panier, cliquez sur le bouton vert. Et si vous voulez juste accéder au programme pour perdre du poids, cliquez sur le bouton orange.
Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une page sandwich. C'est une page en fait qui va faire essayer, enfin qui va essayer de vendre un produit en plus, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une page sandwich. Et sur les pages sandwich, j'en fais pas beaucoup, mais quand j'en fais, je suis à une moyenne de 23%. Et je suis pas un professionnel du tout de la page sandwich. Donc ça, encore une fois, la page sandwich, comme vous voyez, ça peut être très intéressant pour faire monter en gamme les personnes qui vous achètent un produit. Par exemple, vous vendez une formation à 97 euros. Eh bien, juste derrière, vous proposez un produit par exemple, 47 euros. Eh bien, vous êtes sûr qu'une personne sur quatre, en moyenne, va acheter votre produit. Et donc, forcément, vous avez une hausse de votre chiffre d'affaires d'à peu près 25 à 30% sur vos ventes, tout simplement. Donc, si vous lancez un nouveau produit, admettons que vous lancez un produit qui n'est pas cher, moi, c'est ce que je vous recommande de tester. Vous lancez, par exemple, une offre à 7 euros, par exemple. Et donc vous faites une page de vente à 7 euros et puis les personnes qui cliquent sur acheter le produit à 7 euros, eh bien vous les redirigez vers une page sandwich où vous leur dites bah écoutez, vous avez choisi de participer au programme à 7 euros, c'est génial. Moi ce que je vous propose c'est de cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour acheter un truc en plus. Là c'est 27 euros mais là c'est quelque chose de beaucoup mieux entre guillemets. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Il faut savoir que ça fonctionne très bien si vous vendez un produit pas cher et que vous essayez de faire monter les gens avec des produits qui sont plus chers. Mais ça fonctionne encore mieux lorsque vous vendez un produit qui est cher déjà de base, par exemple 200 euros, et que vous essayez de vendre ensuite un produit à 47 euros. Ça fonctionne très très bien. Voilà, bah j'ai encore pas mal de petits conseils à vous donner sur les taux de conversion. Je vais m'arrêter là. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Comme ça, ça va me permettre de vous aider à créer votre blog rentable et vous aider tout simplement à gagner de l'argent sur Internet. Et puis là, vous verrez encore une fois beaucoup plus de choses sur les taux de conversion. Puisque les taux de conversion, c'est vraiment le cœur du business des blogueurs. Moi, ça fait un an que je suis blogueur. Ça fait un an que j'essaye de booster tous mes taux de conversion par beaucoup de façons. Je ne peux pas tout vous les expliquer dans cette vidéo. Par exemple, le A-B testing. Le A-B testing, c'est le fait de tester deux versions différentes d'un site. Ça, il faut savoir que j'en fais depuis un an. Donc, moi, encore une fois, je vous donne les résultats de toutes ces méthodes. Si vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous, je vais vous parler de taux de conversion. Je vais vous parler de comment attirer des personnes sur votre site. Comment récupérer leur email et ensuite comment leur vendre des produits et non pas seulement juste comment leur vendre mais comment leur vendre des produits à répétition puisque faut savoir que moi le cœur de mon business c'est pas juste de vendre des produits c'est vraiment de vendre des produits à beaucoup de personnes à chaque fois, enfin pas beaucoup de personnes mais à chaque fois c'est de vendre plusieurs produits à un même groupe de personnes. Voilà, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et moi, je vais travailler sur un autre projet juste après parce que je suis en train de développer un autre blog encore une fois. Je vais vous en parler quand j'aurai fini de le développer. Allez, je vous dis à tout de suite. Salut.